J'ai une culture littéraire très classique, donc je me suis beaucoup nourrie des textes les plus célèbres, et à chaque fois j'ai été attirée, que ce soit chez Rabelais ou dans les tragédies grecques, par tout l'aspect fantastique, magique, qui permettait d'apporter une métaphore et d'offrir une réflexion un petit peu différente, y compris voilà, dans les Fables de La Fontaine ou dans le théâtre de Shakespeare. Dès qu'il y avait un élément magique qui permettait de penser différemment et d'apporter une réponse un peu différente, ça m'intéressait énormément. Donc naturellement, je me suis dirigée vers ce type de littérature. J'ai été très influencée par Rowling parce que j'ai été nourrie par Harry Potter assez jeune, mais surtout par sa façon de construire. Ce qui m'a subjuguée chez cette femme, c'est sa capacité à construire un univers complet et à avoir des échanges d'un livre à l'autre, y compris des choses très très fines, des repères très fins du tome 1 au tome 7. Et ça m'a énormément influencée. De me dire qu'on pouvait construire quelque chose comme une cathédrale, tout en proposant un livre très plaisant, amusant et qui n'a pas l'air de se prendre au sérieux, ça a été une influence majeure. Alors, mon pseudonyme Silène, ça vient de la préface du Gargantua. L'idée, c'est de faire quelque chose d'amusant, de plaisant, d'assez populaire pour que tout le monde puisse le lire, mais avec toujours quelques questions entre les lignes, un propos politique ou un propos sociologique qui amène dans la lecture une petite part de réflexion dont on se saisit si on veut ou pas, parce que l'important c'est quand même de s'évader grâce à la littérature.